Copain, je vais vous montrer mon rangement make-up, visage, tout ça, gel douche, parfum que j'ai un peu modifié. Donc ici j'ai tous mes petits baumes à lèvres Yves Rocher, ma petite bombe fixatrice. Ensuite, ça c'est un démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher. Là c'est mes rouges à lèvres, un Kiko, un Stoco, un Yves Rocher, un Kiko. Ici j'ai un Sienne qui est dans mon sac à main. Là c'est un stylo dissolvant. Là un crayon à lèvres. Ça c'est une palette à maquillage de chez Locura Beauty de chez Aldi. J'en avais une autre de chez Tati qui s'est cassée, donc je vais l'acheter. Là c'est un mascara, celui-là de chez Sienne, là de chez Yves Rocher, Yves Rocher, Yves Rocher. Et ici, c'est une au micellaire de chez Diadermine. Ici, c'est un gel nettoyant Yves Rocher. Là, un savon pour donner une bonne odeur dans le coin. Donc ça, c'est une crème Yves Rocher Mix Limité. Ça, c'est un masque effet glacé à la cranberry Yves Rocher. Là, une eau micellaire Hydra Végétale. De chez Yves Rocher, oui, pour changer. Et ici, c'est un bain dissolvant Auchan. Ici, c'est une crème Nivea que j'apprécie plus que tout au monde. Je l'adore, cette crème. Ensuite, la même au micellaire, là, un petit visage pour enlever les points noirs, tout ça. Et ensuite, c'est un gommage Hydra Végétale qui est pas mal du tout. Là, c'est tous mes petits vernis de chez Nocibé. Aujourd'hui, j'en porte un. Je porte celui-là. Voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc là, c'est tout. Aïe, pardon. C'est tous mes autres vernis que j'ai rangés dans cette petite basse. Dans cette petit petit panier. Donc, il y a tout. Il y en a un de chez Ma, de chez Jumi Maybelline, Sephora, Yves Rocher, Carrefour, Leclerc, ici, Kiko, un petit peu de tout. Donc voilà, la vue un peu générale. Donc voilà. Voilà, bon, attendez du coup. Donc, me revoilà. Alors, ici, donc, là, il y a mes deux déodorants, voilà, que j'utilise. Le Narta et le Mixa en brume. Là, j'ai mon petit parfum en jeune. Donc, c'est l'Échappée Belle. Celui-là, c'est un Yves Rocher à la vanille. Là, dans le fond, c'est un Yves Rocher à la poire. Là, c'est un parfum Spit Off, eau de parfum. Là, c'est un eau jeune. Un eau jeune possession. Et dans le fond, c'est la brume au monoeil de chez Yves Rocher. Voilà, une petite vue d'ensemble. Ensuite, ici. Ici, alors. Donc j'ai changé. À la base c'était dans ma tour Angleterre, mais j'ai changé de rang. Donc je vous montre ça déjà. Donc c'est des pompes Adapta pour les corps de chez Yves Rocher. Donc ça c'est en fait c'est un déodorant à la base de chez Eugène à l'Échappée Belle sur pamplemousse, mais j'en ai trop marre de ce truc. Le parfum pourtant je l'adore, je le mets quasiment tous les jours. Mais le déo il me saoule en fait, et maintenant j'en sers comme désodorisant dans la chambre, dans ma chambre. Voilà, et puis voilà, ça fait bien ce truc. Alors ça c'est un gommage que j'ai eu dans ma commande précédemment. C'est un gommage douceur corps à l'aloe vera, voilà. Qui est assez grand, qui est un 150 ml, donc qui est plutôt pas mal, voilà, que j'aime beaucoup. Donc autre produit dans ma commande, c'est ce décor au thé vert de chez Yves Rocher.
Dans le fond, c'est un décor, le petit Marseillais, lait de coton, coquelicot et amandes douces. Mais vu que je suis déjà sur un, je vais pas l'entamer tout de suite. J'ai celui de chez Ultra Doux Corps, les réparateurs au trésor de miel. J'ai celui-ci, les corps hydratants soyeux au beurre de mangue de chez Carrefour. Ici, c'est tous mes déodorants. Donc là, il y a deux Dove. Là, il y a un mon savon compressé, un petit Sienne de chez Lidl et deux Mixa en format brume. Là, j'ai trois mini gels douche, un Yves Rocher vanille, un gel douche marin et un gel douche Sienne. Là, ce sont mes shampoings. J'ai un L'Oréal Elle Sève à l'argile. J'ai un Garnier Ultra Doux Shampoing Reconstituant Trésor de Miel et un mini chez Yves Rocher. Et ici, bon bah. C'est mon rangement de tous mes petits gels douche. Donc voilà. Ah, et puis j'ai ce déodorant là, pardon, aussi de chez Carrefour. À la grenade. Donc voilà. Je vous dis. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.